Fermez la main à fond. Ouvrir la main à fond. Donc, sur l'interphalangienne proximale du 2, du 4, il y a donc cette limitation. On plie à fond au cours d'un choc traumatisant. Ouvrir la main à fond. Donc, il y a bien ce doigt-là qui n'arrive pas à étendre à fond. Alors, la technique, elle est simple. C'est des tractions, relâchement. On souffle. On inspire, on relâche. On souffle. Cette technique s'appelle les pompages. Elle permettrait, selon Jean-Pierre Camus, de régénérer le cartilage. Le mieux étant de le faire en extension complète parce qu'il n'y a pas de limitation en flexion. Ça permet aussi, d'une manière mécanique, de gagner sur les derniers degrés d'extension et de diminuer l'inflammation. Faites-le vous-même. Essayez de décontracter, de relâcher bien le coude. Relâche bien le coude à fond. Voilà.